La politique a pris en motion de soutien au gouvernement après 2 jours de conclave à Ouagadougou. Les députés membres du groupe parlementaire Burkin Lim ont pris 2 recommandations au terme de leur journée parlementaire sur la relance de l'économie nationale et des incendies récurrents dans les villes du pays. Salif Belem, Maxime Zango. 2 jours durant, les députés membres du groupe parlementaire Burkin Lim ont axé leurs réflexions sur les défis qui les attendent au cours de cette 7e législature. Objectif, contribuer à répondre aux aspirations profondes du peuple burkinabé en ses volets judiciaires, sécuritaires, économiques et bien d'autres. Pour les y accompagner, 3 panélistes, Luc Ibriga, Abdoul Karim Seydou et Ismaël Diallo. Ces journées parlementaires ont été enrichies par la contribution d'éminentes personnalités qui nous ont permis de nous outiller pour relever les différents défis durant cette 7e législature. Les députés du groupe parlementaire Burkin Lim qui entendent rompre avec le passé s'engagent à être constamment sur le terrain et surtout à jouer à fond leur partition. Nous avons exhorté les députés du groupe à faire beaucoup de propositions de loi. Nous n'allons plus être des députés qui attendent le projet de loi du gouvernement pour applaudir. Non. Nous allons repartir à la base, essayer de comprendre quels sont leurs problèmes et codifier tout cela. Au terme des travaux, ils ont adopté une motion de soutien au gouvernement et 2 recommandations. L'une sur les incendies récurrents et l'autre sur la relance de l'économie nationale.